Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce Parlons Placement épisode 20 avec plusieurs questions intéressantes au programme. Faut-il faire confiance à son banquier? Rien que ça. Ensuite, on va s'intéresser à l'argent qui dort sous votre matelas. Les deux sujets sont peut-être liés. Et puis, troisième partie de cette émission consacrée au SCPI. Et oui, vous le savez, on en parle souvent dans cette émission. Le placement dans l'immobilier de bureau, notamment, a beaucoup de succès. On va revenir sur toutes ces raisons et surtout essayer de comprendre si ça peut durer. Voilà, parlons placement numéro 1, ça commence tout de suite. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Banque, risque ou opportunité, on va parler de ce sujet. Alors, pas faut-il faire confiance à son banquier en tant qu'emprunteur ou pour aller déposer son argent, encore que, on va voir que c'est peut-être lié, mais surtout en tant qu'investisseur. Hein, c'est la partie marché financier qui nous intéresse. Vous nous avez apporté deux graphiques pour planter le décor. Oui, un premier tableau qui a été fait aujourd'hui qui montre en fait l'évolution des valeurs bancaires Elles sont à la cave, Crédit hein. BNP Société Générale depuis 6 mois par rapport au CAC 40. Hein. Pourquoi 6 mois en fait? C'est à peu près le moment où vous aviez enlevé votre cravate. Je vois qu'aujourd'hui vous l'avez remis, ce qui montre que Oui. les choses se gâtent. Et effectivement, ces valeurs bancaires, on voit que ça se Ou que gâte. les modes changent simplement. Donc actuellement, les banques ne sont pas à la mode. Non, elles perdent environ 20%, 17% pour le Crédit Agricole, 22% pour la Société Générale, quand le CAC est à peu près stable. Il fait moins 2 sur les 6 derniers mois. Comment est-ce qu'on explique ce décrochage? Alors, ce décrochage, en fait, s'explique par 3 éléments. Le premier, c'est l'inquiétude sur la croissance mondiale. On l'a vu d'abord sur la Chine, sur les émergents, et puis ensuite sur les États-Unis. Et on sait que lorsque la croissance faiblit, lorsqu'il y a une récession, ça provoque des pertes dans les banques. Les gens ne remboursent pas leur crédit et ça se traduit par des pertes dans les banques. Mais je croyais qu'on sortait de la récession aux États-Unis, on commence à relever les taux, on est déjà retombé Bah, dans c'est un bas de l'inquiétude cycle. qu'il y a effectivement en ce moment sur les marchés. Je pense que les marchés surréagissent par rapport à ça. Il y a un ralentissement, la croissance est un peu plus faible aux En tout cas, il y a États-Unis. cette crainte. Il y Hein. a cette crainte qui est là. La croissance mondiale est un peu plus faible, mais elle sera quand même de 3% Ouais. et non plus de 3,5% ou 5% comme Et on l'a eu il y a quelques années. on pourrait dire quand la croissance s'enrhume, le banquier éternue. Voilà Tout à fait. une des premières causes. Vous nous avez apporté, on va revenir sur les autres causes, mais je parlais de deux graphiques, on voudrait voir le deuxième. Alors le deuxième, c'est les CDS, les Credit Default Swap. Ouais, les assurances en français. Exactement. C'est une assurance contre la faillite d'une banque. Hein. Là, on montre le CDS, l'assurance contre la faillite de la Société Générale. On voit qu'il y a du stress, hein, ça monte très haut. Exactement. C'est un révélateur du stress, de la tension qu'il y a sur les marchés. C'est un révélateur en fait de la crainte que la Société Générale, ici en particulier, mais c'est vrai pour toutes les banques européennes et les banques françaises en particulier, que ces banques-là ne remboursent plus en fait les actionnaires, les détenteurs d'obligations. Bon, donc ça c'est pour illustrer en effet la défiance qu'il y a vis-à-vis du secteur bancaire. On a vu les raisons, inquiétude sur la croissance mondiale, Chine, États-Unis, Europe. Quelles sont les autres raisons? Alors, la deuxième raison, qui est peut-être encore plus importante pour le marché, c'est la baisse des prix du pétrole. Le secteur pétrolier souffre parce que les prix sont orientés à la baisse, les marges des pétroliers sont orientées à la baisse. Mais quel rapport avec les banques? Et les banques ont prêté au secteur pétrolier. Le secteur pétrolier a émis des obligations achetées par les banques. Et donc, on a peur que des faillites interviennent dans le secteur pétrolier et qu'encore une fois, il y ait des pertes dans les banques. Mais en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Est-ce qu'on prête à des pétroliers? Effectivement, c'est là où il y a une exagération du marché. En fait, toutes les banques sont logées à la même enseigne. Il y en a qui ont prêté au secteur pétrolier, d'autres ont moins prêté au secteur pétrolier. La Société Générale a évoqué en fait ces chiffres-là. L'exposition est de moins de 3%, 2 à 3% au secteur pétrolier. De l'ensemble de ces prêts, en fait. L'ensemble de ces prêts en fait représente 2 à 3% pour le secteur pétrolier. Ouais, c'est une exposition qui est très très faible. Rapprochons ça en fait à la crise 2008, lorsqu'il y avait une crise des subprimes, une crise immobilière. Le secteur immobilier à ce moment-là, c'était 60% des prêts. Vous voyez en fait, l'enjeu n'est pas du tout le même par rapport à 2008. Donc, ralentissement de la croissance redouté, secteur pétrolier qui pourrait entraîner des défauts de paiement. Est-ce qu'il y a d'autres raisons Une sur autre la raison en fait dont défiance? on ne parle pas beaucoup et qui est propre en fait à l'Europe, il y a un nouveau mécanisme qui a été adopté il y a quelques mois et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2016, c'est le mécanisme de résolution des crises bancaires. En cas de faillite des banques, dorénavant, les États n'aideront plus
comme ils l'ont fait lors de la crise de 2008 puis de 2011-2012. Ils n'aideront plus les banques. D'abord, ils feront appel aux actionnaires, ensuite aux détenteurs d'obligations. Ce qui semble logique jusque-là, parce que d'habitude, c'est ce qui se passe quand une société va mal, ce sont ces actionnaires qui sont exposés et qui prennent le risque. C'est logique, on peut le comprendre du point de vue moral, mais du point de vue économique, la banque est toujours un cas à part. Ce n'est pas une entreprise comme une autre, parce qu'il faut se rappeler qu'une banque, c'est le poumon de l'économie. Si une banque tombe, en fait, si elle ne prête plus, tout le système bancaire s'écroule et l'économie s'étouffe. Bon, ça ne veut pas dire que les banques ne seront pas sauvées par les États in fine, mais ça veut dire que les actionnaires seront rincés. Cette fois-ci, il n'y aura pas ce fameux moral hasard. Et c'est ça aussi qui est un facteur de crainte. Effectivement, on se dit le risque augmente parce que l'inquiétude sur la croissance mondiale, l'inquiétude sur le secteur pétrolier. Et dans ce contexte-là, les règles du jeu ont changé. Ce n'est pas favorable pour les actionnaires des banques. C'est pour ça qu'elles ont surréagi en ce début d'année. Est-ce qu'on est toujours dans cette crainte aussi systémique, cet effet domino? Si une grosse banque tombe, elle entraînerait avec elle d'autres compères? Oui, ça a été aussi la crainte du marché. Il y a eu quelques banques qui ont été touchées, quelques banques italiennes, des banques suisses, des banques anglaises. Et on a eu peur, effectivement, que d'autres banques soient touchées. C'est pour ça que toutes les banques du secteur ont été rincées en bourse. Bon, si vous avez décidé de nous parler de ce sujet, c'est parce que vous y voyez, à contrario, une opportunité. Vous dites, bien sûr. Voilà, il faut nager à contre-courant en ce moment. Vous me voyez venir, tout à fait. Il y a deux raisons essentielles à ça. On pense effectivement, d'abord, c'est que le secteur pétrolier va bénéficier, à notre avis, d'un rebond des cours. Ça, c'est une position assez forte qu'on a. On est un peu au-dessus des 30, autour des 30. Voilà, on est actuellement au-dessus des 30. Et en fait, on pense que l'effort, il n'est pas très important à faire au niveau des pays producteurs. La cause majeure de la baisse des prix, c'est un manque d'accord, un manque de coordination au sein des pays producteurs. Il n'y a plus ce cartel qui était l'OPEP discipliné. Exactement. Parce qu'il y a eu la Russie qui est arrivée, les États-Unis, l'Iran maintenant au sein de l'OPEP. Il faut que l'effort soit de 3-4% sur la production pour que les prix remontent au-delà de 50$. 3-4%, franchement. Quand on voit les pertes engendrées depuis 2014, c'est un effort que tous les pays vont accepter de faire pour que les prix remontent enfin. Donc vous voyez un pétrole revenir à 50$ assez vite Ouais, au cours de l'année 2016, on pense qu'on aura un accord assez large et les prix remonteraient autour des 50$. Et donc ce qui a pesé dans le mauvais sens pourrait bénéficier au secteur bancaire. Exactement. L'autre élément, arguments, c'est la BCE. Vous vous rappelez, il y a un an, elle avait lancé son quantitative easing. Depuis, l'inflation est repartie à la baisse. On pense qu'elle va devoir taper un grand coup sur la table en mars. Elle l'a déjà annoncé. On attend un petit peu le détail de ces mesures-là. Mais ça sera favorable aux banques parce que le but de la BCE, c'est d'aider le crédit à repartir, d'aider les banques à prêter à leurs clients. Mais ça, elle l'a déjà fait pas mal, essayer de relancer la machine en prêtant beaucoup aux banques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les banques redégagent des profits. Oui, tout à fait. Mais il y a encore de la marge. Quand on compare en fait, ce qu'a fait la Fed ces dernières années, on se rend compte que malgré l'effort de 2015, il y a encore beaucoup à faire. En fait. Il a parlé de moyens illimités. Mmh. Tant qu'on n'arrive pas à des objectifs clairs, il faut qu'elles continuent à mettre de l'argent sur la table. Et un des soucis des banques, c'est l'espèce d'aplatissement de la courbe des taux. Elles ont du mal à transformer des taux courts en taux longs avec un delta intéressant. Ça risque aussi de perdurer, ça, non? Ça, effectivement, ça, c'est structurellement, ça pèse sur le résultat de la banque de détail, mais elles ont quelques réponses à ça. Elles peuvent couper dans les coûts en face, elles peuvent prendre un petit peu plus de commissions. Globalement, on regarde les résultats qu'elles ont publiés. Les trois banques, c'est à peu près plus 50% par rapport à 2014, résultat 2015 par rapport à 2014, et elles sont encore attendues en hausse en 2016. Donc, moralité, vous nous dites, il faut acheter des actions bancaires en ce moment. Il faut acheter des banques. Allez sur le site de bienprévoir.fr. Nous avons deux types de produits structurés qui permettent de profiter de la hausse. Quelle banque, par exemple? On en a sur le Crédit Agricole. Et puis, on a un autre produit sur un panier des trois BNP, Crédit Agricole, Société Générale, qui verse un coupon si les banques n'ont pas baissé de plus de 50%. Bon, c'est courageux parce que à ce plateau, beaucoup de gens défilent, notamment pour parler des marchés financiers, et aucun ne mise sur ce secteur bancaire en ce moment. Donc là, vous prenez un risque. Ah oui, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Il faut savoir prendre des risques au bon moment. Et ben voilà, on va suivre ce pari intéressant que vous nous avez présenté, Jonathan. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous.
On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie. On a le plaisir de retrouver Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour, on va s'intéresser à ce qu'il y a sous son matelas. Sous son matelas, il y a un sommier, mais parfois entre le sommier et le matelas, il y a des billets de banque qui dorment. Oui, je dirais qu'en fait, les banques aujourd'hui sont transformées en vendeurs de matelas, puisqu'en fait, le matelas, il est dans les banques. Et ça pose un vrai problème, en fait, d'une part à l'économie française et d'autre part en termes de niveau de vie des Français, des épargnants. Est-ce qu'on peut situer ce débat avec des chiffres ? Oui, alors on a un petit graphique qui indique cela. Sur 4,4 milliards d'épargne, de stock d'épargne financière en France, on a à peu près un tiers qui ne rapporte rien. Donc 1400 milliards presque. 1400 hein. milliards qui sont sur ce qu'on appelle les dépôts à vue, des livrets bancaires, alors qu'aujourd'hui, ces produits-là servent des taux extrêmement bas. Combien 0,1, 0,2 En net, on est voilà, en dessous, largement en dessous de 1%, même pour les meilleurs. Je parle aussi des anciens plans d'épargne logement. Les plans d'épargne logement, on l'abordera un peu plus tard, qui ont plus de 12 ans, qui sont ultra taxés et qui sont donc aujourd'hui des stocks d'épargne qui ne rapportent plus grand-chose à leur épargnant. Et puis les comptes à terme, qui aujourd'hui aussi, du fait de la baisse des taux, ont fortement baissé et ne sont plus une opportunité. Oui, mais dans un contexte où on trouve des taux négatifs, même maintenant, gagner un peu au-dessus de la ligne de flottaison, les Français se disent « bon, c'est peut-être pas si mal que Alors, ça ». Justement, ils se disent « c'est peut-être compliqué de changer, de prendre un peu de temps pour aller voir ce qu'on peut faire de mieux, aller voir son conscient, son patrimoine ». Donc ça peut prendre du temps et puis finalement on se dit « ça vaut pas le coup puisque je vais gagner 2% ». Mais en fait… Ou je vais en avoir besoin. Où je vais en avoir besoin, mais là aussi, les études prouvent que le stock qui dort sur les comptes courants, finalement, généralement, c'est quoi ? C'est des sommes assez importantes, c'est de l'ordre parfois de 3 à 4 mois de salaire, alors qu'en réalité, on préconise plutôt de conserver 2 mois de salaire pour éventuellement faire face à une dépense imprévue, et le reste, de le placer sur des placements. Là aussi, les Français ont une idée préconçue, par exemple, de l'assurance vie. Ils considèrent que c'est pas liquide, on ne peut pas retirer ses fonds, alors qu'en réalité, c'est tout à fait disponible et c'est de l'argent qu'on peut récupérer simplement, en cas de coup dur. Voilà. Ouais, c'est pas la même fiscalité, c'est juste ça la barrière d'ajustement. C'est pas la même fiscalité, mais en même temps, c'est toujours mieux de payer un peu de fiscalité sur 2,5, voire 3, 4% selon le produit qu'on a, plutôt que d'avoir d'être rien servi en dessous de 1%. Ouais. Donc ça, on le comprend, hein, c'est vraiment cette culture du matelas hein, qu'il faut changer. Mais vous le dites, les banques encouragent aussi cet immobilisme. Alors, c'est-à-dire que finalement, ça se transforme en marchand de matelas. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde les stocks d'épargne qui dorment comme ça sur les comptes courants depuis les années 2005, en fait, on voit qu'il a énormément augmenté depuis les différentes crises financières. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les banques sont soumises aujourd'hui à des réglementations de plus en plus contraignantes et elles doivent conserver dans leur bilan les fonds, notamment tout ce qui est compte courant et les différents produits qu'on a vus tout à l'heure, les dépôts à vue, sont décomptés dans le bilan des banques. Ouais. Et pour protéger leur propre... et pour respecter en fait les normes, notamment de Bâle 3, elles ont l'obligation de conserver ces fonds-là, alors que, par exemple, les produits en assurance vie ne font pas partie du bilan des banques et donc ne compte pas pour respecter ces normes, ces nouvelles réglementations assez contraignantes. En effet, la réglementation impose d'avoir une quille plus grosse à son bateau hein, voilà, pour mieux supporter la tempête. Et pouvoir accorder les crédits. Et donc ça rentre dedans et donc ça explique que les banques, soient plutôt favorables à ça. Vous avez chiffré même ce manque à gagner pour les Français. Hein. Alors, il est de l'ordre d'un 13e mois. En gros, si on ramène ça à la moyenne des Français, ça représente 1400 euros par mois de manque à gagner. Si on considère par contre un épargnant qui a 100 000 euros qui dort sur son compte courant et qui ne l'utilise pas pour sa vie quotidienne, c'est un manque à gagner qui va de l'ordre de 2500 à 3500 euros net par an. Donc c'est pas négligeable. Si on le plaçait sur des placements dynamiques. Même si on le plaçait sur les meilleurs fonds en euros donc qui sont garantis en capital. Alors, le montant moyen servi en 2015 sur les fonds en euros était 2,25% à peu près à l'heure où on se parle. Si on cherche un peu, on peut obtenir un meilleur rendement. Avec des SCPI, par exemple. Ou alors en allant sur des SCPI. Mais là, on prend formellement un risque en capital. Mais il y a certainement des arbitrages à faire. On n'est pas obligé de conserver toutes ces sommes-là de façon disponible. C'est le premier point qu'on développait tout à l'heure. Donc, probablement qu'on peut se rapprocher d'un 4% net, finalement, et de faire beaucoup mieux que ce que rapportent aujourd'hui les placements en compte courant. Alors, vos placements favoris pour justement essayer de réveiller son épargne ?
Alors effectivement, il y a le fonds en euros, on l'a évoqué, les meilleurs fonds en euros, les SCPI, l'immobilier d'entreprise qu'on va aborder dans la troisième partie. Voilà, en gros, avec ces deux types de placements, on arrive aujourd'hui à répondre à l'attente principale des épargnants. Après, si on est disponible pour aller un peu chercher un peu plus de rendement et prendre un risque supplémentaire, on peut effectivement aller sur des produits structurés qu'on a évoqués juste avant, notamment sur des secteurs sur lesquels on a une conviction de revalorisation. Là, ça permet d'aller en bourse, entre guillemets, en limitant le risque, en achetant une protection à la baisse, en capant d'une certaine manière le revenu qui pourrait être dégagé par ce placement-là, mais en même temps, ça permet de dynamiser son épargne. Vous n'aimez pas trop les PEL, les plans épargne logement, alors que pourtant, ils sont l'air encore de séduire de nombreux Français. Alors effectivement, quand on parle du PEL, il y a deux choses. Il y a les nouveaux plans d'épargne logement. Donc depuis le 1er février, le rendement du PEL est descendu à 1,5%, mais il permet d'obtenir, notamment pour les jeunes épargnants, à terme, un crédit dans de bonnes conditions. Donc là, aujourd'hui, en rentrant sur un PEL, on aura un crédit à 2,7%, à condition de respecter toutes les contraintes. Et c'est, si jamais les taux remontent d'ici quelques années, ça sera une opportunité pour les jeunes épargnants. Maintenant, pour les épargnants qui ont des PEL anciens de plus de 12 ans, il faut rappeler que la fiscalité est celle de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est un peu l'inverse de l'assurance vie où votre fiscalité se bonifie avec le temps. Là, dans le cadre des plans d'épargne logement, votre fiscalité se dégrade avec le temps. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un qui a un PEL rempli à son maximum et fortement fiscalisé, donc quelqu'un qui est sur une tranche marginale d'imposition au sommet, va dilapider pratiquement l'ensemble des revenus qu'il aura pu accumuler sur son PEL depuis 12 ans. Donc là, on encourage fortement aujourd'hui les détenteurs d'anciens PEL de plus de 12 ans à basculer sur un placement type assurance vie, même fonds en euros, voire SCPI. Voilà, donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'opportunité du moment. Il faut avoir en tête aussi que la plupart des gens utilisent le PEL comme un produit d'épargne. Aujourd'hui, un ancien PEL vous offre un crédit à plus de 4%, donc c'est complètement hors marché. Donc, vous n'avez même pas l'opportunité d'utiliser ce PEL pour faire l'achat d'un bien immobilier. Bon, résultat, il faut faire un peu le désarbitrage, faire le ménage dans ces placements. Et puis, exactement, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Opportuniste. Exactement, être opportuniste. Et ça a un impact sur son niveau de vie en fin d'année. Donc, il y a un enjeu fiscal, généralement, et un enjeu en termes de revenus. Que vous chiffrez donc à un 13e mois, l'équivalent, ce qui n'est pas rien. Voilà. Merci beaucoup, Vincent, pour ces explications qui veulent réveiller votre épargne. À très bientôt. À bientôt. On a le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel en la personne de Thierry Sevoumians. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur général Française AM Finance Service. On accueille également à nouveau Jonathan. On va parler ensemble de SCPI, mais un mot pour commencer pour présenter votre maison, la Française AM. Écoutez, la Française AM est un groupe qui est adossé à un institutionnel, qui est le Crédit Mutuel Nord-Europe. Nous sommes des gérants avant tout, 50 milliards d'euros sous gestion, ça commence à nous donner une taille critique intéressante, et avec deux métiers, l'un la gestion des valeurs mobilières et l'autre la partie plus immobilière, et sur l'immobilier, notamment sur les produits SCPI dont on va parler, avec 20% de la capitalisation nationale et une gestion de près de 3 millions de mètres carrés pour situer. Bon, donc vous savez de quoi vous parlez, on parle énormément dans cette émission de SCPI. Ce placement. Comment est-ce que vous, en tant qu'acteur de ce secteur, vous expliquez cet engouement ? Écoutez, un engouement qui est très intéressant, hein, pour donner quelques chiffres. Hein, la progression de la collecte en 2014 devait être de l'ordre de 50%. Nous allons encore connaître sur la collecte de l'année 2015 à peu près le même niveau, donc plus 50%. La capitalisation du produit a triplé pratiquement en 10 ans et avec un intérêt tant pour les particuliers que pour les institutionnels. Concrètement, pour vous, ça fait combien de collectes supplémentaires sur 2015 ? Sur 2015, je pense que ça va être de l'ordre du 1,5 milliard à peu près de collectes supplémentaires, hein, puisque vous aurez 4 milliards de... Enfin, on était à 4 milliards, donc je pense qu'on les dépassera largement. Alors, les raisons, le rendement, hein, je pense, vous parliez à l'instant de performance et de recherche de rendement. Vous servez du combien cette année ? Écoutez, sur 2015, pour certaines SCPI, on a servi 5% et plus, mais la moyenne va se situer aux alentours de 5%, donc c'est vrai pour l'année 2015.
quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur et leur comportement sur les 10-15 dernières années, sur 10 ans, ça doit être de l'ordre en moyenne, hein, rendement plus valorisation de l'ordre de 8%. Et ça va tenir, ça, hein, parce que c'est la question aussi. Est-ce que 2016, 2017, 2018 sont sur ce même rythme? Écoutez, là, sur cette année 2015, le rendement a été de l'ordre de 5%. Aujourd'hui, vous avez un effet de stock, hein, de patrimoine. Et avec, un, les conditions d'acquisition, en fin de compte, que nous pratiquons aujourd'hui dans des nouvelles donnes de marché et l'effet stock, je pense que sur 2016, vous devriez avoir des revenus de l'ordre de entre 4,70 et 4,80 pour les bonnes SCPI à peu près. Parce que, en fait, c'est le revers de la médaille. Hein. Quand tout le monde veut de votre produit, surtout comme un marché comme l'immobilier, hein, où finalement, bah, ce n'est pas clonable à l'infini, il y a un moment donné, vous êtes contraint physiquement. Comment est-ce que vous gérez finalement cet afflux de collecte? Est-ce que vous pouvez l'encaisser? C'est une très bonne question, en fin de compte, et c'est la problématique du gérant. Vous savez, en termes d'immobilier, il faut pouvoir investir. Hein, et avec une particularité en ce qui nous concerne, c'est que quand on prend des capitaux à la souscription, il faut qu'on arrive à verser ces rendements de l'ordre de 5%. Donc très concrètement, le gérant va déterminer une collecte maximum dans son année qui sera adaptée par rapport à sa capacité d'aller chercher ses investissements. Très concrètement pour nous, pour prendre certains de nos véhicules premiers, ce sera de l'ordre de 200 millions, 250 millions. Et ça veut dire qu'au-delà, vous allez refuser mon chèque? Alors oui, on peut être amené à refuser vos souscriptions, voire pour nos partenaires, comme bienprévoir.fr, de dire on ne peut plus prendre d'opération. Je pense que c'est une condition importante pour ne pas diluer, en fin de compte, le rendement des porteurs de parts. Et puis on peut jouer aussi sur à la fois l'anticipation pour aller chercher plus d'investissements et anticiper notre collecte, voire jouer aussi sur les délais de jouissance. Jonathan, vous avez des clients, vous représentez de nombreux clients qui cherchent des bons placements, hein, c'est la logique de cette émission. J'imagine qu'ils se demandent s'il n'y a pas une bulle aussi dans ce secteur du SCPI avec ces rendements qui sont un peu, qui font exception dans ce paysage. Oui, effectivement, mais Thierry a parlé tout à l'heure de rendement de 8% sur les 10 dernières années. On n'aura probablement pas 8% sur les 8 ou 10 prochaines années. Mais le rendement qu'on a autour de 4,50, 5%, en relatif, il est très intéressant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bulle par rapport à l'OAT, par rapport aux obligations d'État français à 10 ans, 0,5% sur l'OAT à 10 ans. Les fonds en euros, en moyenne, 2%. Donc l'écart est toujours très favorable par rapport au SCPI. Puis, alors, votre question très intéressante, une bulle, c'est quand un marché ou des produits montent sans raison particulière. On a du mal à expliquer. Aujourd'hui, entre le rendement et le différentiel de rendement que l'on a par rapport au placement tout à fait classique, par rapport au risque, hein, on est là sur un risque très mesuré, on n'est pas sur de l'action. Par rapport au comportement sur les dernières années, par rapport aussi à la solution qu'apporte le produit. On parle de complément de revenus, on parle de retraite. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font que le produit, en fin de compte, s'achète beaucoup plus aujourd'hui. Alors, si on s'intéresse au sous-jacent, c'est-à-dire au marché de l'immobilier, où est-ce qu'on va? Est-ce que ce marché de l'immobilier de bureau, hein, parce que c'est de ça dont on parle principalement, est solide? Alors, deux marchés, hein, souvent en termes d'investissement, c'est principalement le bureau et puis le commerce. Voilà, un peu le commerce. Alors, on mesure sur trois indicateurs. C'est les investissements. Est-ce qu'il y a des investissements qui vont continuer sur ce marché? Une année record pour 2015. Hein, on sera entre 28 et 29 milliards d'investissements à peu près, hein, sur la partie purement française, et pratiquement 250 milliards si je prends la Grande-Bretagne, si je prends l'Allemagne et la France. Beaucoup d'investisseurs qui sont longs, c'est-à-dire qui restent sur le marché. J'entends les institutionnels, les banques, les compagnies d'assurance, ceux qui ont besoin d'aller chercher ce type de rendement. Donc certaines mutuelles, là, on vient chercher du rendement. Deuxième point sur ce marché de l'investissement, c'est tant les Français que la partie étrangère. On est un marché qui intéresse énormément, très sécurisé. Quand vous regardez la partie plus locative, vous avez un marché qui s'est même amélioré, qui a déjà intégrer en fin de compte la situation économique française dans les loyers. Et en termes de stock, autrement dit de livraison, est-ce qu'on met beaucoup d'immeubles neufs en fin de compte et non loués? Absolument pas. Tout ce qui se met est à peu près loué à 80%. Est-ce qu'on peut garder un marché locatif dynamique alors que, objectivement, la situation économique de ce pays ne fait pas forcément d'étincelles, que ce soit pour l'immobilier de bureau ou commercial? On voit bien
une économie qui est quand même pas au firmament. Alors, vous avez raison. Deux choses. Déjà, le marché de l'immobilier d'entreprise s'autorégule. Hein. Il faut savoir que même si on arrivait avec X milliards de plus, le particularisme, c'est que tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut des immeubles dans Paris ou première couronne, le mieux loué, le meilleur locataire, le meilleur rendement. Et donc, on a du mal à offrir ça. Ce qui se passe, c'est que le marché ne peine en fin de compte à trouver de l'investissement. Donc on est plutôt sage et surtout il y a peu d'opérations en blanc, c'est-à-dire sans locataires, qui se construisent ou qui se construisent sans être certain en fin de compte de pouvoir. Donc le risque du locataire n'est pas très présent. Il est déjà intégré, vous savez, ça fait depuis 2007 qu'on a intégré cette condition et ce contexte économique. L'autre risque qui pourrait faire dérailler un peu cette belle mécanique, c'est le risque d'une hausse des taux. C'est ça. Il y a deux risques hein, sur une SCPI. Hein. Vous avez le risque du premier moteur, c'est-à-dire le locataire, et donc l'activité économique. Hein, mais je pense qu'on s'est bien adapté à ce niveau-là. Et le deuxième point, ce serait une montée des taux très violente. Hein. Tout dépend comment elle s'opère. Si vous avez une montée des taux classique, mesurée, continue, c'est le merveilleux mécanisme, en fin de compte, de l'indexation de ces loyers. On peut augmenter, en fin de compte, les loyers au fur et à mesure de la reprise. Si c'est fort, mais ça sera vrai pour d'autres marchés, hein, l'obligation, l'action. Mais ce n'est pas votre scénario principal, une remontée brutale. Alors, on l'a vu, même aux États-Unis, ça patine et autres. Donc ça ne milite pas dans le sens d'une remontée brutale des taux. Effectivement, notre scénario, c'est que les taux restent durablement bas. On voit la BCE a commencé qu'en 2015 à faire son quantitative easing. Mmh. Elle va remettre une couche, on en a parlé en mars. Elle n'est qu'au début en fait, de ce large programme de quantitative easing. La Fed a mis un programme sur 8-10 ans. La BCE a encore au moins 5 ans devant elle, peut-être plus. Hein. Ce n'est pas encore ce que les marchés ont dans le pricing, mais il faut s'attendre à ce que ce soit très très long. Bon, donc le job de Thierry va continuer à être paisible, un long fleuve tranquille. Vous me rassurez. On va parler produits un petit peu pour finir. On va mettre en avant deux produits dans votre gamme. Épargne foncière tout d'abord. Pourquoi est-ce que c'est un produit phare chez vous, épargne foncière? Quelles sont ses qualités? Écoutez, c'est un petit peu mon produit fétiche hein, sur épargne foncière. Si je devais le comparer, c'est vraiment le produit vaisseau amiral solide. Un, il joue vraiment les règles de la mutualisation puisque c'est un peu plus d'un milliard et demi en fin de compte de capitalisation. C'est 500 000 mètres carrés en fin de compte. Hein. C'est 70% Paris, région parisienne. C'est très bien diversifié avec à la fois 70% bureaux et 30% du commerce. On a même des immeubles où on y loge un locataire prestigieux qui est Carrefour, par exemple. Et c'est un rendement qui était de 5%, qui a valorisé de 2% d'ailleurs sur l'année 2015 et qui devrait s'afficher dans les fourchettes que je vous situais tout à l'heure, 4,75, 4,80. Donc épargne foncière et puis Europe Immo, un petit nouveau. Alors ça, c'est un petit peu l'émancipation des gérants des SCPI, c'est de pouvoir investir à l'étranger. Alors pour nous, c'est l'Europe. Vous aviez envie de voyager? Oui. Et puis l'Allemagne, c'est pas loin, vous voyez. L'Allemagne, c'est pas loin, mais c'est surtout une économie qui est très dynamique. Ce sont des prix locatifs qui sont en deçà de l'Hexagone, des prix également en valeur métrique qui sont en deçà. Et puis il y a un point très particulier, c'est que nous bénéficions d'un traitement fiscal assez particulier pour le client, puisque dans la convention franco-allemande, l'impôt est payé en Allemagne, on s'occupe de tout, hein, mais c'est 15%. Ouais. C'est juste intéressant. C'est pas négligeable. Donc pour vous, Europe, c'est France-Allemagne, ça va pas au-delà? Pour nous, les trois premiers marchés européens, c'est dans l'ordre, hein, l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Mais là, dans Europe Immo, il n'y a pas l'Angleterre. Non, parce que sur l'Angleterre, c'est un marché intéressant, à mon sens, cher, très focus, hein, très dirigé, notamment sur la partie finance, et surtout, et ça, on en a horreur, c'est de gérer le risque de devise. Si vous regardez en ce moment la livre, c'est juste... Et avec le Brexit, on n'en est peut-être pas sorti. Un mot de conclusion, Jonathan? Oui, on a déjà parlé, en fait, nous, chez Bien Prévoir, on privilégie les SCPI qui ont une grosse capitalisation. Pourquoi, en fait? Ça permet de diversifier le risque. Et c'est une règle d'or. On ne parle pas il n'y a pas de garantie en capital, mais la meilleure garantie, c'est la diversification. Et c'est ce que permet des véhicules comme épargne foncière, notamment. On ne met pas tout sur un ou deux immeubles? Non, il y en a un peu plus que ça, je crois. Merci à tous les deux. Merci. Thierry Souvemiance de nous avoir rendu visite. Merci Jonathan. On se retrouve dans un mois. Et puis, vous reviendrez nous voir. Un produit qui va bien, c'est rare. C'est bien en ce moment. Oui, ça fait du bien au moral. Merci à tous. On se retrouve dans un mois.